Céleste, Dieu de toute grâce, de toute bonté, Dieu d'amour, nous bénissons ton puissant, glorieux, redoutable nom, nous bénissons ta fidélité, Père. Nous te disons merci, ô Dieu, pour ta grâce, cette grâce surabondante et ton amour infini que tu nous as renouvelé encore aujourd'hui, Père, pour que nous puissions continuer à vivre. Et vivant encore, nous pouvons espérer. Espérer voir nos vies encore changer, devenant de plus en plus consacrées à toi. Espérer voir notre niveau de consécration passer à un niveau supérieur. Espérer voir ton alliance et toutes tes promesses continuant à s'accomplir dans nos vies. Espérez voir la vision de nos vies se réaliser. Espérez encore vivre sur cette terre et continuer à te servir. Nous voulons te dire une fois de plus merci, notre Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes de te servir aujourd'hui encore en écoutant ta parole, car l'écoute de ta parole fait partie des sacrifices spirituels pour lesquels tu nous as délivrés de l'esclavage, nous ayant établi un peuple de rois et de sacrificateurs pour te servir. Appelés à te servir, toute leur vie consacrée à ton service. C'est pourquoi, Dieu le Saint-Esprit, nous recommandons à toi pour que tu nous renouvelles ton onction, cette puissance qui nous rend capables en ce qui nous concerne d'être un instrument dans tes mains pour la bénédiction de ton peuple. Et en même temps, cette onction qui aide ton peuple à recevoir ta parole, à écouter ta parole et à être nourri. Et que par voie de conséquence, toute puissance d'opposition à la proclamation, à l'écoute de cette parole soit anéantie encore ce matin. Papa, nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous ensemble, amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous continuons à écouter l'Éternel, notre Dieu, sur cette pensée profonde, importante, c'est-à-dire délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel, notre Dieu. Délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel, notre Dieu. Nous avons commencé par l'Égypte, montrant comment l'Éternel Dieu a délivré Israël et comment il l'a stoppé dans le désert pour lui apprendre à le servir avant que Israël ne possède l'héritage. Et nous avons débouché sur la nouvelle alliance, délivré de l'esclavage du péché, de toutes ses conséquences, par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Établit un peuple de rois et des sacrificateurs pour que nous, il s'agit bien sûr de nous les chrétiens, nous puissions le servir. C'est ce que la Bible déclare. Le servir, et en le servant, Dieu nous donne, nous renouvelle donc la capacité de pouvoir régner. Vous n'avez qu'à relire encore Apocalypse chapitre 5, le verset 9 et 10.
dans ce passage Apocalypse 5, 9 et 10, il est clairement écrit que le Seigneur Jésus-Christ a racheté par Dieu, a racheté pour Dieu par son sang, a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toutes tribus, de toutes les langues, de toutes les races, de toutes les nations de la terre. Il a fait de tous ces gens qu'il a rachetés, qu'il a délivrés de l'esclavage par son sacrifice. Il a fait de tous ces gens un seul peuple, que la Bible qualifie un peuple des rois et des sacrificateurs ou des prêtres. Et la Bible dit au service de notre Dieu, c'est-à-dire ayant pour mission, ayant pour charge principale, essentielle, servir Dieu, délivrer de l'esclavage pour servir l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Un peuple de rois et des sacrificateurs, établi chrétien, établi roi et serviteur. Or, quand on parle d'un serviteur, c'est cette personne qui est au service de son Dieu, serviteur de Dieu, c'est-à-dire au service de Dieu, c'est-à-dire la vie au service de Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore très bien amen? C'est pourquoi nous avons donc débouché sur comment les chrétiens doivent servir. C'est vrai, les chrétiens constituent un peuple composé des rois et des serviteurs de l'Éternel. Mais comment les chrétiens servent Dieu? Alors nous avons dit premièrement que le chrétien doit consacrer sa vie à Dieu. La vie du chrétien, et c'est une vie consacrée à Dieu pour le servir. Une vie consacrée au service de Dieu, consacrée à Dieu pour le servir. Et le premier sacrifice spirituel, nous avons tous compris, consiste dans l'obéissance aux lois et aux commandements de Dieu. Servir Dieu, c'est obéir à sa parole. Servir Dieu, c'est mettre en pratique ses lois, ses préceptes, ses commandements. Et ça, c'est le premier service que Dieu attend de nous tous les jours. C'est ainsi que nous nous sommes appuyés sur Matthieu 22, versets 34 à 40. Où le Seigneur Jésus, dans ces deux commandements, résume toute la loi, faisant ainsi référence à Exode 20, 1 à 17, le décalogue, les 10 commandements. Et nous avons démontré que ces lois font partie de l'alliance de Dieu. Ces lois font partie de l'alliance de Dieu. Et qu'elles ne sont pas exclusives à une alliance, non. Car le Dieu de l'ancienne alliance est le même. Et c'est pourquoi Jésus a démontré suffisamment qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, l'ancienne alliance, mais il est venu pour accomplir. Et vous vous souvenez, nous avons consacré presque toute une émission à montrer, à démontrer comment le Seigneur Jésus-Christ a accompli la loi ou l'ancienne alliance et les prophètes. La loi et les prophètes. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc les chrétiens, le premier sacrifice spirituel qu'ils offrent à Dieu dans leur vie de tous les jours, c'est la mise en pratique des lois de Dieu, des commandements de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons insisté sur la connaissance de ces lois. Car si tu ne connais pas ces lois, comment tu vas les mettre en pratique? Comment tu vas exprimer ton amour envers Dieu? Ce Dieu qui t'a délivré de l'esclavage. Ce Dieu qui a fait de toi enfant de Dieu. Ce Dieu qui t'a donné une destinée éternelle. Car tu es appelé à vivre avec lui éternellement au ciel. Tu dois l'aimer. Si Dieu a fait cela, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Et toi, en retour, tu dois manifester cet amour à ce Dieu. Comment tu vas manifester cet amour à ce Dieu? C'est en gardant ses commandements. Jésus l'a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Il dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est écrit dans la Bible. Et garder les commandements, c'est les connaître et les mettre en pratique. Ça, c'est le premier sacrifice spirituel. Le deuxième sacrifice, le trouvons dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 et 5. Là où l'apôtre Pierre, parlant toujours de l'identité des chrétiens, il parle, il dit que ce sont des pierres vivantes. Oui, bien sûr, engendrées par la pierre vivante principale qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons déjà expliqué pourquoi, en quoi consiste cette identité des pierres vivantes de Jésus et des chrétiens aussi pierres vivantes. Mais l'apôtre Pierre ajoute une autre dimension. Il dit que ces mêmes chrétiens qui sont des pierres vivantes sont des sacrificateurs, des prêtres qui constituent le temple spirituel invisible qu'est l'église de Jésus-Christ. Et non seulement ils constituent le temple spirituel invisible qu'est l'église de Jésus-Christ, mais en même temps, ce sont des sacrificateurs chargés de servir Dieu en lui offrant des sacrifices spirituels. C'est ce qui est écrit dans d'autres versions par des victimes spirituelles. Donc, pendant que nous les chrétiens, chaque jour, nos vies sont consacrées à obéir à Dieu, nos vies sont consacrées à pratiquer ses lois, ses préceptes, ses commandements. En même temps, nos vies sont consacrées à offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Car tu ne peux pas être sacrificateur sans offrir des sacrifices. C'est ça, servir Dieu. Et nous avons parlé des sacrifices spirituels. Et nous avons pris quatre principaux sacrifices spirituels que nous les chrétiens, tous les jours, nous devons offrir à notre Dieu. Il s'agit d'abord de sacrifice de louange. Et nous avons, pas longuement, mais suffisamment parlé sur la louange. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on a parlé sur la louange, c'est le dimanche passé. Puis il y a le sacrifice d'adoration. Et puis il y a la prière. La prière est un sacrifice spirituel. Et nous comprendrons en son temps en quoi consiste, en quoi la prière est un sacrifice spirituel. Ensuite, il y a l'écoute de la parole, sa méditation. Quand je médite la parole de Dieu, je sers Dieu. Car tout mon temps est consacré à écouter Dieu. Quand je médite Dieu, je l'écoute. Quand je lis la parole de Dieu, j'écoute Dieu. Quand j'écoute la parole de Dieu, je l'écoute, je le sers. Donc, le temps que je consacre à méditer la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu, tout ce temps-là, c'est un temps pendant lequel je sers Dieu. Car tout mon être, esprit, âme et corps est consacré à la méditation, à l'écoute, à l'étude de la parole de Dieu. C'est comme maintenant. Est-ce qu'on peut dire amen, bien-aimé, dans le Seigneur? Donc, nous étions donc en train de parler du deuxième sacrifice, qui est le sacrifice d'adoration. Il est vrai, bien-aimé, qu'on ne va pas terminer en une ou deux émissions ou en un ou deux messages tout ce qui concerne l'adoration, mais par le Saint-Esprit, nous nous efforçons de synthétiser et de vous donner l'essentiel. Mais que le Saint-Esprit puisse ajouter, puisse compléter. S'il y a des erreurs dans ce que nous disons, qu'il corrige. Est-ce qu'on peut dire amen, bien-aimé dans le Seigneur? L'adoration. Nous avons dit que le sacrifice d'adoration, c'est un sacrifice spirituel qui marche de pair avec la louange. Là où il y a la louange, il y a l'adoration. Les deux sont inséparables. Ici, nous parlons de la louange véritable adressée à notre Dieu.
qui est un sacrifice exécuté par l'homme intérieur. Ce qui fait qu'il est difficile de dire maintenant je loue Dieu. Après maintenant, la louange est terminée, je passe à l'adoration. On le voit souvent dans des cultes. Mais louer Dieu ne consiste pas seulement à chanter. Et même quand on chante, il y a des paroles qui sont dans ces chants. Des paroles qui concernent l'identité de notre Dieu. Des paroles qui concernent ce que Dieu est, ses attributs, son identité, et ce que cette identité fait dans nos vies. Mais quand certains aspects de l'adoration, nous trouvons la même chose. Ça dépend, je ne sais pas, peut-être de la forme que l'on donne. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quand on dit on loue Dieu. Vous allez voir tout le monde est debout, c'est bien. Et maintenant, il y a toujours la danse. Mais nous avons insisté sur le fait, le danger que présente souvent cette forme de louange, c'est la distraction. La distraction, elle est là, elle, c'est une menace importante, une menace réelle. Bref, la louange, c'est un sacrifice spirituel qui est exécuté par l'homme intérieur, l'esprit et l'âme, mais s'appuyant sur le corps. C'est ainsi que il y a des gestes que le corps peut faire. Des gestes de danse, etc. Des mouvements de danse. Des gestes du corps, etc. Mais l'essentiel, c'est ce que nous avons dit. C'est que jamais oublier dans son esprit, dans sa conscience, que c'est Dieu qu'on loue. Que l'on danse pour exprimer, je ne sais pas quoi, la joie devant Dieu. Et que ce n'est pas un concours de danse pour que les gens voient que nous, nous dansons bien. Et la danse, je m'excuse, ça ne doit pas être le mobile. Parce qu'aujourd'hui, je ne critique rien. Mais vous allez voir certains cantiques. C'est juste une ou deux paroles. Mais les trois quarts de la chanson, on danse, on tourne, on danse, on clubite, on danse. Je ne suis pas contre, mais est-ce que c'est ça vraiment qui doit être la motivation aujourd'hui de la louange? Est-ce que la motive, pour qu'un cantique de louange soit apprécié, nous louons Dieu. Nous louons l'Éternel. Nous ne louons pas des hommes. Je loue Dieu. Je n'ai pas à attendre l'appréciation de la part des hommes. Non. Quand moi je suis musicien, je compose, je reçois la révélation et je compose un cantique de louange. Mais c'est pour louer Dieu. Ce n'est pas seulement pour que les gens soit content, apprécié, et disent que non, j'ai composé un bon cantique. Non, je loue Dieu. C'est Dieu que je loue. Et je n'ai pas besoin de l'appréciation des hommes. Je danse pour Dieu. Je n'ai pas besoin que les hommes jettent des fleurs, etc. Que le Saint-Esprit nous aide. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Donc je disais que la louange et l'adoration, ce sont des sacrifices spirituels qui marchent ensemble et qui sont l'œuvre de l'homme spirituel, mon frère. C'est l'œuvre de l'homme spirituel. C'est au niveau de l'homme intérieur, de l'esprit et de l'âme que partent l'adoration et la louange. Et comme cet homme spirituel est dans le corps, pendant qu'il loue Dieu, pendant qu'il adore Dieu, c'est normal qu'il implique le corps. C'est normal qu'il y ait des mouvements du corps qui soient impliqués dans cette adoration. C'est pourquoi nous avons parlé de la position qu'on doit prendre quand on adore. Soit on est debout, soit on est à genoux, mais on peut adorer Dieu tout en étant assis. Le problème,
problème, c'est la communion entre l'homme intérieur et le Saint-Esprit et Dieu. C'est mon esprit qui adore. Je peux être assis, mais mon esprit n'est pas assis. Je peux être debout, je peux être à genoux, mais je sais que c'est mon esprit, c'est l'activité de mon esprit. La forme ou la position du corps, elle intervient dans ce sens que pour qu'elle ne soit pas un obstacle à ce que mon être spirituel adore Dieu comme il faut. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Et on peut parler longuement là-dessus. Donc la première chose que nous retenons importante, c'est que le sacrifice d'adoration est inséparable de la louange. Inséparable de la louange. Dans un culte, on peut... Donc quand on commence à louer Dieu, mais on doit comprendre dans son esprit que je loue Dieu, je l'adore, je suis en train de l'adorer. Surtout que cette louange et cette adoration-là consiste juste à proclamer des paroles, à exprimer, reconnaître l'identité de Dieu, l'exprimer, à exprimer ce que Dieu est. Et ce que son identité fait dans nos vies, tout ça, c'est la louange et l'adoration. Donc, c'est un sacrifice qui est inséparable de la louange. Les deux marchent ensemble. Sacrifice de l'homme intérieur. Alors, que signifie adorer? Que signifie adorer? Si vous prenez le dictionnaire biblique, vous trouverez là beaucoup de définitions. Au moins deux pages, on parle sur l'adoration. Nous avons pris juste quelques termes qui vont nous aider à comprendre et à continuer à comprendre ce que nous voulons comprendre de la part du Saint-Esprit. Que signifie adorer? Si vous allez chez les latins, chez les latinistes, vous trouverez que adorer vient du verbe latin adorare, qui signifie adresser une prière à un être supérieur, ou bien rendre un culte à une divinité. Adorare, latin. Si vous allez chez les Hébreux, vous trouvez le terme shaha. Shaha, qui signifie s'incliner ou se prosterner devant un être supérieur ou devant un autel. Dans le Nouveau Testament, vous trouvez le terme grec prostuneo. Prostuneo. Qui signifie s'incliner face contre terre. C'est ainsi que vous trouvez certaines personnes. Ce qui est dommage, même des dirigeants d'église, soi-disant chrétiens, qui ne se gênent pas de s'agenouiller et face contre terre. La terre, c'est une créature, mon frère. Nous allons voir tout à l'heure qui adorer. Mais maintenant, prosterner veut dire se prosterner face contre terre. Et on peut allonger bien sûr la liste. Alors, qui doit être adoré? Si adorer, c'est se prosterner. Si adorer, c'est adresser une prière à un être divin. Si adorer, c'est s'incliner, se prosterner devant un autel ou un être supérieur. Alors, qui doit être adoré? Devant qui on doit se prosterner face contre terre? À qui doit-on adresser des prières? Qui doit être adoré? Qu'est-ce qu'on doit adorer? Parce que pourquoi je dis qu'est-ce qu'on doit adorer? Parce que vous trouvez maintenant des gens, ça c'est une parenthèse, à cause de l'admiration qu'ils ont des uns des autres, il y a des hommes qui ne se gênent pas parlant de leurs femmes qui les adorent, et vice versa, des femmes qui adorent aussi leur mari. À cause
de l'amour que les uns et les autres ont, même des fleurs. Non, ça c'est un type de fleurs que j'adore. Même la nourriture. Ah, ça c'est un fromage que j'adore. Les maisons, vous trouvez quelqu'un qui dit, ah, ça c'est un salon que j'adore, ça c'est une maison, ça c'est un modèle que j'adore. Donc le terme adorer est devenu tellement vulgaire que les gens l'utilisent même pour des choses inutiles, même pour la nourriture. Et ça c'est vraiment dommage. Qui doit être adoré? Nous lisons Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. L'évangile de Matthieu chapitre 4. On peut lire à partir du 8e verset. Matthieu 4, 8. Le diable amena Jésus encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Bien-aimés, nous connaissons ce passage. Il s'agit de la tentation du Seigneur Jésus par le diable dans le désert. La Bible dit, le diable, il montre à Jésus tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, si tu m'adores, te prosternes devant moi, tu m'adores, je te les donne. Le diable connaît très bien ce que c'est qu'adorer. Et le diable connaît très bien qui doit être adoré. Le diable sait très bien qu'on ne peut adorer que Dieu et Dieu seul. Le Créateur, le Tout-Puissant. Et que adorer une autre personne en dehors de Dieu, c'est le péché, c'est l'idolâtrie. Le diable sait qu'on ne peut se prosterner que devant Dieu, le Tout-Puissant. Il sait cela. Et son objectif était d'emmener Jésus, homme, à pécher contre Dieu. Alors, il procède dans sa ruse à lui montrer le royaume de la terre. Oubliant que le Jésus à qui il parle demeure Dieu qui a créé l'univers. Et dans sa ruse, il tend Jésus un piège. Un, tu m'adores, ainsi tu pèches contre Dieu. C'est l'idolâtrie, parce que moi je ne mérite pas d'être adoré. Deux, tu m'adores. Alors, en ce moment-là, je deviens ton chef et je te donne les royaumes. Par conséquent, tu n'as pas à te présenter comme étant le Créateur. Le diable, il connaissait tout cela. Et il tendait un piège au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Le Seigneur Jésus, il lui répond. Jésus ne lui dit pas, moi je suis le Créateur. Comment tu peux prétendre me donner ce que j'ai créé? Tout l'univers m'appartient. Tout l'univers m'appartient. Moi, je suis le Créateur, le Dieu Créateur. Et Jésus lui dit seulement, il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Donc, le Seigneur Jésus lui dit, je suis ton Dieu, moi que tu vois, Satan, je suis ton Dieu. Donc c'est toi qui dois m'adorer, c'est pas moi. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Comme pour dire, c'est lui seul que tu serviras. Donc voyez bien, mais dans la réponse du Seigneur, il y a
adorer et servir. C'est pourquoi l'adoration fait partie des sacrifices spirituels. Là où il y a sacrifice, il y a service. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Rendre un culte, c'est servir, ou c'est lui seul que tu serviras. Et là, le Seigneur Jésus, il fait référence à Deutéronome chapitre 6, le verset 13. Deutéronome 6, 13. C'est la Bible ouverte, nous allons lire ce passage. C'est Moïse qui rappelle à Israël la loi. Jésus dit, il est écrit. Écrit où? Dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 13. La Bible dit ceci, Deutéronome 6, 13. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre. C'est à lui que tu rendras un culte. Amen. Donc c'est lui seul que tu serviras. Et c'est par son nom que tu prêteras serment. Lui seul que tu dois adorer, que tu dois rendre, c'est à lui seul que tu rendras un culte, que tu y adoreras, que tu serviras. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu, et Dieu seul qui mérite l'adoration. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, le verset 6. Mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, qui introduit, c'est Dieu le Père. Et il introduit qui? Jésus-Christ, c'est ça, c'est lui, Jésus, que la Bible, parmi son identité, que la Bible, que la parole déqualifie aussi de premier-né de Dieu. Et Dieu le Père, il dit quoi? La Bible dit, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui, que tous les anges de Dieu l'adorent. Nous avons dit, on doit se prosterner, adorer, c'est se prosterner devant un être divin. Mais c'est devant quel Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu véritable. C'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu le Père ici, il dit que Jésus-Christ étant Dieu comme lui, c'est lui seul qui doit être adoré. Les anges doivent se prosterner, nous connaissons les anges, qui ils sont. Ce sont des êtres spirituels puissants qui adorent l'Éternel. Si nous allons dans Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4. Nous lisons le verset 10. La Bible dit quoi dans Apocalypse 4, 10? La Bible dit, nous prenons même à partir de 9. Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 représentants ou vieillards du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adore celui qui vit éternellement. Amen. Qui est assis sur le trône, qui vit éternellement? Mais c'est l'Éternel notre Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Et la Bible dit, à sa droite, il y a un autre trône sur lequel est assis le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Apocalypse. Chapitre 5, le verset 14. Apocalypse 5, 14. Les quatre êtres vivants répondaient, amen. Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Et les quatre êtres vivants, et les 24 veillards, et les anges, tous. Tout ce qu'ils font, c'est louer Dieu et l'adorer. Et nous savons, la puissance de ces êtres spirituels sont des êtres spirituels puissants. Les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, qui composent le trône de Dieu. Donc, il n'y a pas, en dehors d'eux, il n'y a pas d'autres êtres plus puissants qu'eux. D'autres êtres spirituels plus puissants que les quatre êtres vivants ou les 24 vieillards. Mais la Bible dit quoi?
Tout leur travail, c'est adorer l'éternel Dieu qui est assis sur le trône, qui vit et règne au siècle des siècles. C'est adorer Jésus qui est assis sur le trône. Apocalypse 7, le verset 11. Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône. Des représentants du peuple de Dieu, les 24 veillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen à notre Dieu, soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen. » Vous voyez? Amen, bien-aimé. La Bible dit quoi? Tous les anges de Dieu, les quatre êtres vivants, les 24 veillards, se prosternent devant l'éternel Dieu qui est assis sur le trône et devant l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ils se prosternent face contre terre. Non pas pour adorer la terre. Comme nous voyons, j'ai parlé des représentants de certaines confessions religieuses. Non. Non pas pour adorer face contre terre, mais adorer une image. Non. Face contre terre. Adorant celui qui est assis sur le trône. Et ils expriment leur adoration par des paroles qui sortent de leur bouche. Quelles paroles? Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen. C'est ça l'expression de leur adoration. Ils sont à genoux pour ce qui est de leur être. À genoux. Face contre terre. Maintenant, leur bouche s'ouvre et proclame ces paroles qui expriment l'adoration. Ces paroles qui expriment l'identité. Nous allons y revenir. De notre Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, mon frère et ma soeur, surtout toi, chrétien, enfant de Dieu, si tu y avais encore des confusions qui concernent qui adorer, retiens aujourd'hui que c'est l'éternel ton Dieu, lui et lui seul, qui mérite, qui doit être adoré. Et que donc le verbe adorer, quelles que soient les significations que donnent les dictionnaires, mais le verbe adorer doit être réservé à Dieu et à Dieu seul. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous continuons à parler sur le sacrifice d'adoration. Maintenant, nous voulons répondre à la question suivante. Comment maintenant adorer? Nous avons répondu à la question, que signifie adorer? Nous avons répondu à la question, qui doit être adoré? Maintenant, nous passons à une troisième question. Comment adorer? Où adorer? En quoi consiste l'adoration? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Comment adorer? Où adorer? En quoi consiste effectivement l'adoration? Bien-aimé, notez que adorer, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu. C'est ce que Jésus dit. Ça marche ensemble. Il dit, il est écrit, tu adoreras l'éternel ton Dieu, tu le serviras lui et lui seul. Ce refrain de Deutéronome 6:13, où il est écrit, c'est l'éternel ton Dieu seul que tu dois craindre. Mais craindre Dieu, c'est comment on craint Dieu? C'est en obéissant à ses lois. Comment on craint Dieu? C'est en mettant en pratique ses préceptes. Et la Bible ajoute, c'est lui seul que tu devras servir. C'est à lui seul que tu rendras un culte. C'est lui seul que tu y adoreras. Donc, adorer Dieu, c'est le servir. C'est le servir. C'est là qu'on trouve le terme grec, latreo. Latreo, qui signifie servir l'éternel. Latreo, servir l'éternel. Josué 24, 14. Nous sommes en train de répondre à la question, comment adorer Dieu?
Josué chapitre 24, verset 14. Voici ce que déclare la Bible. Josué 24, 14. Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Et rendez un culte à l'Éternel seulement. Rendre un culte à Dieu, nous avons dit, c'est servir l'Éternel. Rendre un culte à Dieu, c'est l'adorer. Et Josué rappelle à Israël, faites attention. Le seul qui mérite votre adoration, qui mérite votre culte, c'est l'Éternel Dieu. C'est le seul vrai Dieu, votre Dieu. Non pas les idoles, les faux dieux que vous avez adorés en Égypte. Jetez leurs idoles. Nous reprenons bien aimé la lecture. Josué dit quoi? Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte. Amen, bien-aimés. Vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate. Josué s'adresse à quel ancêtre? Il s'agit d'Abraham. Souvenons-nous, avant que Dieu l'appelle, il était en Ur, en Chaldée. Quand Dieu l'appelait, il devait traverser l'Euphrate pour arriver à Cana. Ils étaient en Égypte, les Israélites. Et là, en Égypte, ils ont adoré les dieux des Égyptiens. Ils ont servi les dieux de leur maître, qui étaient des faux dieux. Et nous avons déjà compris que les dieux que les Égyptiens adoraient et auxquels ils avaient soumis Israël esclave, n'étaient rien d'autre que Satan et les démons. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, adorer Dieu, c'est le servir. Donc, tous les jours, quand je sers Dieu, je l'adore. Tu ne peux pas dire que je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu, mais tu exclus l'adoration de ce service. Quand on rend un culte à Dieu, prenons le culte dans l'église. Tout le culte que l'on rend à Dieu, c'est une adoration. Du début à la fin, quelles que soient les composantes du culte, j'adore Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. C'est pourquoi nous devons faire attention. Quand nous venons au culte, évitez la distraction. Faire extrêmement attention. Quand nous venons au culte, évitez la distraction. Du début à la fin, c'est un culte que je rends à Dieu. Je l'adore. Je suis en train de servir Dieu. Adorer, c'est servir. Du grec, la très haut. Adorer, c'est aussi offrir à Dieu. Amen, bien-aimé. Offrir à Dieu des offrandes, des holocaustes. Nous connaissons l'histoire d'Abel. Lorsque Abel dresse l'autel et il prend les prémices de son troupeau, il met sur l'autel. Le fait qu'il choisit les prémices montre que dans son esprit, il reconnaît que c'est l'Éternel Dieu qui a tout créé, qui l'a créé lui, qui a créé les animaux, les bêtes, et qui lui a donné la capacité de pouvoir élever. Donc c'est à lui, et ma vie, et la vie des bêtes que j'élève, et le travail même d'élevage. Tout, c'est à cause de lui. C'est lui qui me donne la force. C'est lui. Si lui ne m'avait pas créé, si lui ne m'avait pas créé les bêtes, ne m'avait pas rendu capable de les élever, je n'allais pas le faire. C'est ici que Abel
conduit, motivé par cette pensée-là dans son esprit, dresse l'autel. La Bible ne dit pas que c'est un ange qui lui a soufflé, non. Lui-même, il dresse l'autel. Il dresse l'autel. Et il prend les prémices. Abel offre le sacrifice à Dieu. Il sert Dieu. Il adore Dieu. Abraham et tous ses descendants, ils ont dressé des autels. Devant ces autels, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Et ils ont placé sur ces autels des holocaustes, des sacrifices. Pour adorer l'Éternel. Lisons Genèse chapitre 22, le verset 5. Genèse 22, le verset 5. Voici ce que révèle la Bible. Cette parole sortie de la bouche d'Abraham, quand Dieu lui a demandé d'aller sur le mont Moriah et d'offrir Isaac. Voici ce que dit Abraham. Chapitre 22, le verset 5. Genèse 22, 5. Alors il dit à ses serviteurs, il c'est Abraham, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Moi et le garçon, nous allons sur la montagne. Pourquoi? Pour adorer Dieu. Bien-aimé, c'est au hasard qu'Abraham a prononcé cette parole. Non, non mon frère, ce n'est pas au hasard qu'il a prononcé cette parole. Ce n'est pas au hasard. C'est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qu'Abraham a prononcé cette parole. Mais il allait pourquoi? Pour offrir Isaac. Donc offrir à Dieu des holocaustes, des sacrifices, c'est adorer Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours insisté sur l'importance des offrandes. Et quand nous parlerons des sacrifices d'argent, nous y reviendrons pour montrer que la nouvelle alliance n'a pas exclu les holocaustes, les sacrifices, les offrandes. Car si nous sommes les descendants d'Abraham, parce que nous avons la foi en Dieu, la même foi qui a animé Abraham, notre ancêtre dans la foi, la même foi qu'il a eue, donc nous devons continuer à faire ce qu'Abraham a fait. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc adorer, c'est offrir à Dieu, c'est dresser des autels, offrir à Dieu des sacrifices. En quoi consiste encore l'adoration? Adorer Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu est. C'est l'exprimer par des paroles et par des chants. Reconnaître ce que Dieu est. Et l'exprimer par des paroles et par des chants. Nous venons de le lire dans Apocalypse. L'exemple de cette façon d'adorer Dieu. Les anges, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards. Comment ils adorent? Rentrons encore dans Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse 5, ici. Apocalypse chapitre 5. Commençons même chapitre 4. Il s'agit de quatre êtres vivants. Apocalypse chapitre 4 verset 8. Chacun de ces quatre êtres vivants avait six ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, il ne cesse de dire. Vous comprenez? Jour et nuit, il ne cesse de dire. Donc, ils expriment leur adoration à Dieu en proclamant ce que Dieu est. Ils reconnaissent ce que Dieu, ils l'expriment par des paroles, par des chants. Qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est et qui vient. C'est lui qui était, qui est et qui vient.
Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 représentants, 24 veillards du peuple de Dieu se prosternèrent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement, notre Dieu. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant, c'est une forme d'adoration, reconnaître ce que l'Éternel est et l'exprimer. La Bible dit, ils disent quoi, les quatre êtres vivants? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne la gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à toi, à ta volonté, à ta puissance. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Reconnaître l'identité de l'Éternel, l'exprimer par des paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons-nous un peu à cette forme d'adoration. Pose-toi maintenant la question. Quel est le niveau de ta connaissance de l'identité de Dieu? Quel est le niveau de ta connaissance de l'identité de Dieu? Et pourquoi ton niveau est bas? C'est parce que tu ne lis pas la parole. Tu n'écoutes pas la parole. Tu ne lis pas, tu ne médites pas, tu ne cherches pas, tu ne te poses pas la question. Mais Dieu, il est qui? C'est vrai, il est Dieu. Mais quels sont ses attributs? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce qui compose son identité? En quoi ça consiste son identité? C'est vrai, il est puissant. Mais qu'est-ce que sa puissance a fait? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Reconnaître l'identité de Dieu. Ce que Dieu est, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait l'exprimer par des paroles et par des chants. Apocalypse chapitre 5. Verset 9. Ici, il s'agit du Seigneur Jésus. Verset 7, Apocalypse 5, 7. L'agneau s'avança pour recevoir le livre. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus. Qui s'avance pour prendre le livre qui est dans la main de Dieu le Père. Assis sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens. Qui représente les prières des membres du peuple saint. Et il chantait un cantique nouveau. Alléluia. Exprimer, reconnaître ce que Dieu est, son identité. L'exprimer par des paroles, par des chants. Ici, ce sont les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, qui se prosternent devant le Seigneur Jésus-Christ, assis sur le trône, et qui l'adorent en exprimant. En chantant, il adore Jésus par des paroles chantées. Et ils disent quoi? Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été écorgé, immolé, et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges, rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des 24 veillards, des milliers et des millions. Ils disaient d'une voix forte, il est digne l'agneau qui fut immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, c'est-à-dire à notre Seigneur Jésus-Christ qui siège sur le trône, c'est lui l'agneau de Dieu, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Alléluia. Nous sommes en train de parler comment adorer le Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous, Apocalypse chapitre 7, le verset 12, toujours ces êtres spirituels
qui ne font qu'adorer Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Amen. À notre Dieu soit la louange, la gloire et la sagesse, la reconnaissance et l'honneur, la puissance et la force pour toute l'éternité. Amen. Amen, bien-aimé peuple de Dieu. Pose-toi encore la question. Quel est le niveau de ta connaissance sur l'identité du Seigneur Jésus? Pourquoi tu ne t'intéresses pas à cette identité? Rien que le oui, je suis de Jésus. Rien que le oui, je suis là. C'est vrai, Jésus, il est le Fils de Dieu. C'est vrai, il est la parole vivante de Dieu qui a tout créé, comme la Bible dit. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. He who was the word of God. Celui qui est la parole de Dieu. Il était au commencement. Et qui était au commencement la parole de c'est Jésus-Christ. Rien que le oui, je suis, que lui-même a dit, d'abord connaître que lui-même il est, je suis. Va dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 13. Il donne cette expression, je suis, pour révéler son identité aux Juifs. Il dit, si vous croyez que moi, Jésus, je suis. Nous avons déjà enseigné là-dessus. Le oui, je suis. Ou l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Le oui, je suis. Du Seigneur Jésus. Qui exprime son identité. Rien que ça, mon frère, tu ne connais pas. Fais un effort. Tu peux l'adorer en reconnaissant ce qu'il est. Il dit, je suis, moi Jésus, je suis celui qui suis. Comme pour dire, je suis égal à Dieu le Père qui a révélé à Moïse, dit aux enfants d'Israël, que moi, votre Dieu, je m'appelle je suis. Je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14. Et le Seigneur Jésus, pour traduire, exprimer l'identité avec Dieu le Père, il révèle aux Juifs qu'il est aussi je suis. Jean chapitre 8, lis bien ce chapitre-là. Mais il ne s'arrête pas là. Il va utiliser l'expression je suis pour exprimer encore son identité et ce que cette identité fait dans l'Église, dans nos vies, de nous les enfants de Dieu, membres de son Église. C'est ainsi qu'il révèle, mais pour le monde, il révèle à la Samaritaine, le Messie que vous attendez, dont tu parles, je le suis. Jean chapitre 4, 25. La Samaritaine lui dit, oui, tout ça c'est bien, mais nous attendons le Messie. Jésus saisit l'opportunité pour lui dire, je le suis moi qui te parle, moi Jésus qui te parle, je suis le Messie là. Que Dieu, votre Dieu là, le Père, vous a promis. C'est moi, le Messie, qui l'a envoyé. Il avance un peu, Jean chapitre 6, 35. Il dit, je suis le pain de vie descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Quelques jours après, Jean chapitre 8, verset 12, il révèle, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il marchera dans la lumière, comme pour dire sa vie ne sera jamais détruite par les puissants des ténèbres, mais elle sera bénie par la puissance de la lumière que je suis. Quelques jours après, il le révèle, Jean chapitre 9, Jean chapitre 10, le verset 9, je suis la porte des brebis et je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 9 à 11. Il révèle dans ce passage encore son identité. Je suis la porte des brebis. Porte pour entrer où? Mais dans la bergerie. Quelle bergerie? Le royaume de Dieu. Et quand les brebis entrent dans la bergerie, ils me trouvent toujours moi, Jésus. En ce moment-là, je suis le bon berger. Il avance encore un peu, quelques jours, il le révèle encore. Jean chapitre 11, le verset 25. À l'occasion de la mort de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il meurt.
Quiconque vient croire en moi ne mourra jamais, jamais, jamais. Connais-tu cela, mon frère? Un jour, il parle avec les apôtres. Quelques-uns d'entre eux, dont Thomas et Philippe, ont des problèmes sur son identité. C'est ainsi qu'il lui demande même, dis-nous, tu nous parles du Père, du Père, du Père, mais où est le Père? Il leur dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Un autre lui pose la question, mais montre-nous le chemin pour arriver au Père là-bas, comment on peut faire? Quel chemin prendre? Il le révèle, Jean 14, 6, moi Jésus, votre maître, je suis le chemin qui mène à Dieu, le Père. Je suis la vérité, j'incarne la vérité de ce Père-là, de ce Dieu-là, le Père. Et je suis sa vie, comme pour dire celui qui veut avoir la vie de Dieu, le Père, il n'a qu'à croire en moi, il aura cette vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu, Jésus-Christ, il a la vie de Dieu. Et enfin, Jean chapitre 15, il dit quoi? Je suis le vrai cep. Vous, mes brebis, mes disciples, les chrétiens, vous êtes des sarments, des branches. Restez alors attachés à moi, le vrai cep. Ainsi, jour et nuit, je vous renouvelle la sève. Cette sève n'est rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit. Et vous serez capable de produire du fruit, de vivre ma vie, de moi le bon berger. Amen, bien-aimé. Adorez l'Éternel en reconnaissant ce qu'il est, son identité, en l'exprimant par des paroles ou par des chants. Adorez le Seigneur Jésus en exprimant ce qu'il est. Alléluia. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé des sacrifices spirituels que nous chrétiens victimes, que nous chrétiens pierres vivantes, aux prêtres, aux sacrificateurs établis par le Seigneur Jésus, nous devons lui offrir en tant que Dieu. Et nous avons parlé aujourd'hui encore du sacrifice d'adoration. Nous prions, Éternel, mon Dieu, mon Père. Merci encore au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, le grand Je suis. Tu es le grand Je suis. Le Dieu de l'existence absolue. Tu n'as ni commencement ni fin de jour, Éternel. Tu es Elohim, le Créateur des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible. Créé par la puissance de ta parole. Tu es le Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham. Ce Dieu pour qui rien n'est impossible. Ce Dieu qui n'arrive jamais, jamais en retard. Jésus, tu es Dieu. Tu as démontré suffisamment que par ta puissance, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et qu'il n'y a aucune situation, quelle que soit sa gravité, qui pourrait être un obstacle. Non. Seigneur, tu ne présenteras jamais des excuses. Pour dire non, comprenez-moi. Si j'étais venu avant, maintenant c'est trop tard. Jamais. Si Jésus... tu pouvais venir en retard, c'est que Lazare ne serait jamais sorti vivant, vivant de la tombe, enterré 4 jours après, le corps pourri. Ses sœurs ont tout fait pour te démontrer, Seigneur Jésus, que tu étais venu en retard. Mais en tant que Dieu Tout-Puissant, tu leur as démontré que tu ne viens jamais en retard. Sois loué, sois béni, notre Dieu. Tu es le Dieu d'Isaac, l'Éternel des armées, le maître de l'univers, le Dieu de toute la terre. Ce Dieu qui finit toujours par mettre au large ses serviteurs. Isaac a dit, l'Éternel nous a mis au large. Il a anéanti les ennemis. Il les a stoppés dans leurs mauvaises actions.
alors nous pouvons prospérer encore dans le pays. C'est ce qu'il a donné au troisième, puis le nom de Rehoboth, le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob, le Dieu d'alliance, fidèle à ton alliance et à toutes tes promesses, ô Dieu. Ce Dieu qui a rappelé à Jacob l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham et Isaac, ses pères, et qui a ajouté, et Jacob retient, j'accomplis, non seulement j'accomplirai toute cette alliance, mais je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, avant que je n'aie accompli tout ce que je t'ai promis. Dieu Tout-Puissant, merci. Fidèle à ton alliance, gloire à ton nom. Ah Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu demeures Dieu le Tout-Puissant. Et nous croyons que par ta puissance cette année, celle de ton Esprit Saint, cette puissance d'une grandeur illimitée, tu vas accomplir ta vision, quelle que soit la situation que connaît le monde, par ce virus COVID-19 et la crise économique, sociale et dans tous les domaines. Mais Dieu, Jésus, tu restes Dieu le Tout-Puissant, et par ta puissance, tu vas continuer à agir et tu accompliras toutes tes promesses dont le temps a été fixé pour cette année 2020. Tu les accompliras, des promesses qui concernent ton Église, des promesses qui concernent ton peuple que nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, tu les accompliras, car tu es Dieu, maître des temps, des circonstances, le Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ton nom. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous disons tous Amen et nous pouvons acclamer le Seigneur de partout.